toujours citer les auteurs. C'est important. Voilà. Alors maintenant, on va changer de sujet, encore que on est tous à la recherche du bien-être et de la santé. Et là, il y a un livre très important d'un homme qui est nutritionniste. C'est une référence, Jean-Michel Cohen. Et là, il a écrit un livre, « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ?» qui est très intéressant et qui nous concerne tous. Voici le docteur Cohen. Bonjour, cher Michel. Asseyez-vous. Salut. Merci beaucoup, cher Jean-Michel Cohen. Alors, moi, j'ai parcouru votre livre. Et évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. Je vais savoir si j'avais tout bon. Vous donnez 4 ou 5 clés incontournables si on veut être en forme. Oui, si vous voulez. D'abord, l'idée de ce livre, elle provient d'une chose, c'est que j'entends depuis quelque temps, des événements sensationnels. On a vu les gens consommer des oméga 3 de façon très importante parce qu'on leur a dit que c'était bon pour le cerveau. Puis l'année suivante, c'était le curcuma. Au passage, je signale que la curcumine qu'on trouve dans le curcuma n'est vraiment intéressante que si on rajoute un peu d'huile avec et si on met du poivre pour la potentialiser, personne ne l'a dit. Puis ce fut l'époque de la baie de goji, etc., etc. Et en fait, toutes ces notions sont très imprécises. Donc j'avais envie de dire, dans la nutrition, il y a quelque chose de plus harmonieux à créer. Ça, c'est la première clé, la nutrition. Voilà, c'est la clé de la nutrition. La deuxième clé, c'est bien entendu la forme. Et on a vu les gens diminuer d'activité physique régulièrement. Alors moi, j'ai déjà tout bon dans la première clé parce que je mange des fruits secs et des amandes. Sauf que les amandes, il ne faut pas en abuser. Alors les amandes, il ne faut pas en abuser. Comme Ariel Dombal, 3 par jour, c'est tout. Mais elle a raison. Alors, pourquoi on mange ces fruits ? 4, mais c'est les jours de gueuleton. Hein. Alors en fait, c'est parce que les gens méprise le fait que les amandes, c'est 640 calories les 100 grammes, c'est-à-dire quasiment l'équivalent du beurre. En fait, on pourrait avoir le produit équivalent en mangeant des noisettes, sauf qu'on a pris l'habitude de les acheter dans des sachets décortiqués et que c'est dans les noisettes, c'est la petite enveloppe brune qui les entoure, qui contient les acides phénoliques et le tanin. Donc ça ne sert à rien de manger ces produits sans manger la petite enveloppe qui va avec. Alors, clé, la forme. Selon l'OMS, la sédentarité est première cause de mortalité inévitable dans le monde. Alors, j'ai vu un chiffre incroyable. C'est qu'il y a 50 ans, on marchait entre 5 et 7 km par jour. Et maintenant, on ne dépasse pas 300 mètres. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Quand vous prenez le profil sur... On regarde le profil mensuel de l'activité physique de la moyenne des Français. Et on observe qu'en réalité, vous voyez tous ces gens qui font du jogging régulièrement et qui se cassent les genoux à courir une seule fois par semaine. En fait, ces gens-là ne bougent jamais. Et à courir sur le béton ou sur le ciment. Et à courir sur le béton au lieu d'aller dans les bois ou sur la terre battue. Donc, il y a eu une réduction de l'activité physique. Et on sait qu'aujourd'hui... On va y venir à Internet, tu vois. 20 minutes d'activité physique par jour... 5 fois par semaine, suffit à réduire de 30% la mortalité cardiovasculaire et même certains cancers. Alors, le mental, là vous poussez un coup de gueule contre les réseaux sociaux. Vous dites, ils forment un miroir déformant de nos vies, on se compare à la vie des autres, la consultation quotidienne des comptes devient addictive. Et vous dites, il y a une autre solution, ce que les Anglais appellent, et Philippe Labo va comprendre ça très bien, « the fuck it therapy ». C'est exactement ça. Veut dire ça. Je m'en tape, en gros, quoi. Le dire, côté, prends du recul. Fiche. Et vous savez, il y avait quelque chose de très simple. Au 19e siècle, on parlait de la méthode Coué. En fait, aujourd'hui, on utilise des tas de méthodes qui sont la suggestion, l'estime de soi. Grosso modo, se persuader soi-même qu'on est quelqu'un de bien et se le dire et se le répéter. Tout ça, ce sont des techniques qui marchent. Alors que dans les réseaux sociaux, vous avez à l'heure actuelle une projection d'une haine de l'autre et de vous. Ce qui fait que beaucoup de gens se plaignent. Il y a une addiction, c'est-à-dire les gens y vont et se plaignent pourtant d'y aller pour recevoir des insultes. Et les réseaux sociaux, c'est la lettre anonyme. C'est ça, les messages, ils ne sont pas signés. Ouais, c'est exactement ça. Ça s'appelle aussi la fachosphère. La fachosphère, absolument. Ouais. Alors, une des clés importantes, le sommeil. Mais de préférence, le sommeil avant minuit. Oui, alors ce qui m'a intrigué, c'est qu'on s'est rendu compte que, par exemple, les gens qui dorment moins de 4 heures par nuit, et il y en a qui disent ça, ou plus de 10 heures par nuit, chez ces gens-là, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé que chez les autres. Ouais. Et le sommeil, c'est quelque chose qui appartient à chacun, dont l'horaire. Alors, il y a la fameuse théorie comme quoi se réveiller très tôt le matin rendrait plus efficace, qui sont finalement des théories de grand-mère. Mais en réalité, chacun a un temps de sommeil qui est compris entre 4 et 10 heures. Et c'est la première partie du sommeil qui est la plus importante. C'est la première partie du sommeil qui est la plus importante. Mais encore, quand vous vous endormez, en général, il faut vous endormir avec des pensées apaisantes. Et c'est la visualisation, ce que j'appelle la visualisation. Pensez ce que vous êtes. Ça veut dire, voyez des choses agréables. Et quand vous voyez des choses agréables, vous considérez les choses différemment. C'est tout bête, mais c'est des exercices qu'on peut pratiquer. On s'endort en disant « the fuck it therapy ». D'accord. Il y a aussi une façon d'être en forme, c'est de chanter.
Oui. Chanter comme si on allait mourir demain. C'est un enchaînement ah, très bien. Pour annoncer Michel Fugain.